So you're trying to find the subject of the verb in French so that you can make sure that the verb agrees to the subject, but you don't know what the subject is. Today I'm going to show you how you can easily figure out what the subject is in a sentence in French. Bon, vous cherchez le sujet de la phrase parce qu'en fait il faut que vous accordez le verbe à son sujet, mais vous savez pas ce que c'est le sujet. Aujourd'hui, je vais vous dire comment très facilement repérer le sujet d'une phrase. Hello, this is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So, very easily, all you have to do, whatever sentence that you have, ask the question, c'est qui fait l'action en fait. Donc, très facile, pour repérer le sujet de la phrase, on pose la question, c'est qui fait l'action que c'est. So, you can also have it in the plural form, if that's confusing, you could also say, ce sont qui, blah, 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 etc. Donc, vous pouvez également le mettre au pluriel en écrivant, ce sont qui, etc, etc. So, to give you an example, as you can see below, les élèves ont fait un exposé sur les chevaux, okay? Which simply means the students did a presentation on horses. Donc, les élèves ont fait un exposé sur les chevaux. Ce sont qui ont fait l'exposé sur les chevaux? So, all you're doing is you're asking the question before you kind of surround it with the verb, as you can see. So, that's the easy way to figure it out. Donc, en fait, tout simplement, quand on pose la question, ce sont qui ont fait un exposé sur les chevaux, on encadre le verbe avec, donc, ce sont qui ont fait. Donc, on a, en fait, en fait. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut repérer le sujet. So, that's so easy to figure out what the verb is. Let's give you another example. Nous allons chez mamie. Nous allons chez mamie. C'est qui va chez mamie ou ce sont qui allons chez mamie? Donc pareil, so same thing, you're just asking the question and that's helping you figure out who the subject is. Donc en posant cette question, ça nous aide à donc à repérer le verbe. By asking that question, all you're doing is you're asking the question with the verb, the action, right? And that's telling you the person that's doing that action. Donc en posant cette question avec le verbe, donc le verbe étant l'action, ça vous aide à repérer qui fait cette action. Qui accomplit cette action, donc pour repérer le sujet. And let me give you another last one. Je le lui propose. Ooh, I had some CODs, indirect and direct object pronouns in there. How about that? Donc, je le lui propose. J'ai rajouté des COD et des COI là-dedans. Ouh là là. Ok, donc, c'est qui propose? Ah, ok, c'est je. So, again, you're asking that same question with that verb. C'est qui propose? Who is suggesting? Donc, ah ok, c'est je, c'est moi, donc je est le sujet. So, je is that subject, right? Donc, en fait, c'est comme si je disais je propose à Fanny de venir, mais bon, je l'ai remplacé en disant je le lui propose. So, I just substituted, using the indirect and direct object pronouns, I'm suggesting to Fanny, or I'm asking Fanny to come over my house, okay? But using the indirect and direct object pronouns, I'm putting je le lui propose. And so sometimes when you have a mix of indirect object pronouns or you have several people in the sentence, by asking that question, then it's helping you figure out what the subject is and how that subject, that verb will agree to that subject. Donc, en posant cette question, tout simplement, surtout quand il y a des compléments d'objets directs ou indirects, où il y a d'autres personnes dans la phrase ou d'autres objets, en posant cette question, ça nous aide à facilement repérer le sujet pour bien accorder le verbe à son sujet. Voilà, so now you have that easy tip to figure out subjects anytime you need them. Maintenant, vous avez l'astuce facile pour savoir comment repérer le sujet quand vous en avez besoin.